Dans l'avenir, nous pensons que toutes les ressources du IDA pour les orienter plus au développement des infrastructures sociales. Surtout, on dit l'éducation, la santé, que nous pensons que c'est ce secteur qui a besoin beaucoup d'appui du IDA. On dit les infrastructures aussi, parce qu'aujourd'hui, la Guinée-Bissau, surtout, la domine de l'agriculture. Donc, il y a une potentialité très grande. Donc, les ressources IDA, si on investit dans ce secteur pour la création de richesses matérielles, je pense que ça peut relancer toute l'activité économique du pays.